Bienvenue, welcome. Voilà donc Fabrice Ouchoui, fondateur du groupement européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Mes chers amis, nous sommes donc à la fête du safran, à la plaine des Grecs, donc à Saint-Joseph. Salut les amis, comment réussir votre événementiel, comment réussir votre fête. On va aller là, direction la fête Safran à Saint-Joseph, dans le sud de l'île de la Réunion. Donc, vous voyez, nous sommes en voiture, ça secoue un peu, hein, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, 11 novembre, journée extraordinaire. J'ai un chauffeur là, enfin, une chauffeuse, si on peut dire ça comme ça, aujourd'hui. Mais on va aller faire une sortie en famille et ben en même temps rencontrer les producteurs de safran. J'espère bien trouver mon ami Mémé Rivière, hein, le maître, le roi du safran. Allez, à tout de suite. Nous avons donc un producteur, si ce n'est le producteur le plus connu, je dirais, au niveau de la transformation du curcuma, du safran. Et il s'appelle donc Mémé Rivière. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de salons aujourd'hui, donc qui met vraiment le terroir de la Réunion en avant. Alors Mémé, bonjour. Alors, si tu peux nous dire un petit peu ton histoire, comment ça se fait que tu es tombé dans le safran et après l'évolution en fait. Alors, voilà, moi j'ai repris la relève des parents, du père, qui à l'époque en faisait un tout petit peu. Et moi j'ai voulu diversifier et en faisant aussi un produit, le curcuma de luxe, qui permet aujourd'hui aux gens de le prendre comme médicament parce qu'il est reconnu pour être un anti-inflammatoire. Et puis en cuisine on en met moins. Donc je fais également le sirop de curcuma, on le prend quand on a une toux grasse, c'est très bon quand on a le glaire, c'est un expectorant. Et là j'ai lancé le jus de curcuma, donc comme il y a des diabétiques qui ne peuvent pas prendre le sirop, ils pourront prendre le jus de curcuma, et donc ça va être commercialisé dans les jours à venir. Et donc également la gelée de curcuma qui est nouveau. Donc on verra là la gelée de curcuma. Vous avez le sirop là de curcuma, sirop de Mémé Rivière bien sûr. Hein. Voilà. Donc voilà la gelée de curcuma. La gelée de curcuma. Vous allez tout avoir sur le curcuma. Hein. Donc une panelle avec un spécialiste. Hein. Et puis il y a le vinaigre parfumé au curcuma qui est en rupture de stock. Donc voilà. Un vinaigre très demandé, voilà. Très aromatisé. Donc je fais entre 12 et 13 salons par an en métropole. Il faut que je fasse faire connaître mes produits parce que j'ai la maison du curcuma. Le but c'est de faire, quand les gens viennent à la Réunion, ils ont une adresse également où récupérer du très bon curcuma. Alors mon curcuma par contre c'est un curcuma qui est séché dans le noir où il n'y a que l'eau qui part et toute la matière active reste là parce que le soleil détruit la curcumine. Voilà, donc comme je vous ai annoncé, un très grand professionnel sur la transformation du curcuma. Et c'est celui qui est le plus connu. Quand on parle de curcuma à La Réunion, la maison du curcuma. Donc voilà, il n'y a pas d'autre endroit pour y aller. C'est là, chez Mémé Rivière. Alors Mémé Rivière, combien de temps tu transformes là, le curcuma? Alors, ça fait, disons, 38 ans. 38 ans. Ouais, je commence à y connaître un petit peu au niveau de la matière. Alors, au bout de 38 ans, il est humble, mon ami Mémé. Il y commence à connaître au bout de 38 ans. Non, il commence pas à connaître. Je dirais que c'est un maître curcuma. Mais il est humble, donc j'aime bien. Alors, Mémé, dis-moi, quelle est ta vision pour le curcuma par rapport à la recherche? Les Américains, ils ont retrouvé que c'était un excellent produit pour le cancer, médicament à la limite. Donc, quelle est ta vision pour cette belle, ce beau produit? En ce qui concerne la Réunion, nous sommes entourés par des pays qui ont une main-d'œuvre très très bon marché. Donc, on va se faire concurrencer, peut-être qualité moins bonne, parce que pour notre curcuma, c'est le curcuma longa, c'est l'un des meilleurs curcuma. Et donc, il y a l'âne également qui
fait le curcuma, il y a la Chine aussi. Et aujourd'hui, bon, ben, sur les marchés en métropole, je commence à avoir pas mal de curcuma du Maghreb. Bon, la qualité n'est pas bien la même, mais comme il est vendu à moindre prix, certaines personnes ne cherchent pas vraiment la qualité. Mais il y a beaucoup aussi qui recherchent la qualité. Donc, comme tous les produits de la Réunion, le litchi, la vanille, ça sera un produit de haute gamme, un produit de qualité qu'on va pouvoir représenter, puisque nous, à la Réunion, on ne pourra pas aller concurrencer avec l'Inde ni la Chine par rapport à nos surfaces, mais on va représenter un produit de qualité comme celui-là. Donc, ça ne sera jamais un produit bradé, parce que ce sera un curcuma de luxe, tout simplement. C'est une marque déposée. Alors, en plus, c'est une marque déposée. Donc voilà. Alors, si tu peux nous dire un petit peu la transformation du curcuma de la racine jusqu'à la transformation, combien de temps ça prend et quel est le procédé? On commence à récolter le mois d'août, le mois de septembre, on le secoue, c'est-à-dire on enlève la terre, et le mois d'octobre, on le lave, on nettoie les racines, et après, c'est l'autre partie, c'est-à-dire la mise en cossette, et au bout de 5 à 6 jours de séchage, parce que bon, je sèche entre 25 et 28 degrés, donc c'est là que je vais le broyer pour obtenir cette poudre fine et rechercher des cordons bleus réunionnais. Oui, super. Écoute, merci beaucoup, Mémé. Merci. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et continue comme ça, parce que tu es sur vraiment la bonne route avec tous tes salons à l'extérieur. J'espère te voir bientôt avec nous sur le marché européen, tout simplement. Okay. Je vais terminer cette vidéo sur le champ de curcuma avec notre ami Mémé. Mémé Rivière. Ça va bien aujourd'hui? Moi ça va super bien parce que je viens de faire ma séance de sport, 45 minutes de cardio, et là je peux vous dire que je pète la forme, hein. Je vais prendre mon petit déjeuner juste pour vous partager avec vous ce que je vais manger. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas manger et ce qu'il faut manger. Ok, allez, à tout de suite. Alors, ce qu'il ne faut pas manger, voilà, ce qu'il ne faut pas manger, c'est un gâteau au chocolat. Ma maman m'a offert un gâteau au chocolat hier. Bon, c'est pour les enfants, hein. Les enfants, ils mangent un peu de gâteau au chocolat, c'est très bien. Et puis, voilà, un rougail de saucisse, on serait peut-être tenté. On serait peut-être tenté. Je préfère manger, une galette de riz. Soufflé, galette de riz bio, des noix du Brésil, des amandes, une mangue, voilà. Des petites bananes, voilà, des petites bananes mignonnes et des raisins. Après, on va faire un petit jus. Là, j'ai fait un jus d'orange.